Yo tout le monde, c'est le Dova. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite annonce, enfin, pas vraiment annonce, mais info, je dirais. Donc je On va faire suis. un point YouTube, on va dire. C'est ça. Alors d'abord, on va tout simplement commencer par vous remercier d'être 160 sur la chaîne. C'est ça. On a quand même, d'un seul coup, bon, pendant une petite période, monté pas mal en abo, donc plus de 20. Donc rien, c'est peut-être pas grand, mais c'est quand même, enfin pour nous c'est déjà pas mal. Déjà vous remercier pour ça, parce qu'on sait qu'il y a des contenus qui préfèrent, enfin que vous préférez certains contenus. Il y en a qui préfèrent du Arc, d'autres du Pala, d'autres du Seigneur des Anneaux. Il y a eu la nouvelle série qu'on s'est lancée, c'est les deux façons de sortie, qui a pas mal plu. Mais ça, on va en parler tout dans cette vidéo. On va vous dire un peu les projets de la chaîne, l'avenir de la chaîne. Donc, on va d'abord commencer. Bah, je t'en prie, vas-y, commence par ce que tu veux aborder en premier. Bah, on va essayer de reprendre des let's play. C'est ça. On va recommencer un let's play parce que Seigneur des Anneaux, voilà, est fini de tourner, Ouais. clairement. Donc, je sais pas quand est-ce que tu as posté ça là, mais ça qu'ils soient tous sortis ou alors qu'il manque quelques épisodes. Et je pense qu'il manquera un épisode parce que en gros je vais essayer de poster cette vidéo mercredi prochain, donc vous pouvez voir normalement on est le 4/09, donc on est vendredi. Là vous aurez une vidéo de Seigneur des Anneaux que vous aurez vue, parce que cette vidéo est tournée en avance. Pour une fois on s'y prend pas au dernier moment. Donc et ben, il vous restera encore une vidéo, la dernière de Seigneur des Anneaux, le dimanche prochain, et après il y aura du nouveau. Voilà, donc on va essayer de faire des let's play sur d'autres jeux. Alors on va faire jeu par jeu, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Et on va faire des jeux, contrairement sur des anneaux, qu'on n'a pas fait. Où on a vu quelques vidéos, mais sans plus. Parce que là, c'est vrai que sur des anneaux, on l'avait déjà fait beaucoup de fois. Ouais, on l'avait quand Donc, même pas mal torché. voilà, c'est un jeu qu'on connaît par cœur. Donc, ça s'est peut-être ressenti dans les vidéos. Et puis, même nous, ça nous a un peu. Sur la fin, on était vraiment un peu saoulés de recommencer, recommencer à chaque C'est fois. ça, parce que en plus avec des problèmes de record, donc se refaire le jeu complet, parce qu'on pouvait plus revenir en arrière. Donc voilà, c'est ce qui se passe en fait dans les trois derniers épisodes, enfin ou dans les deux, ça dépend comment je fais le montage. Parce que on a eu des soucis de record, donc et bah on a dû tout se refaire et ça nous avait saoulé, que ce soit moi ou Willy. Donc les derniers épisodes que vous verrez, c'est moi qui les record, parce que. Tout simplement à cause du. Enfin, Le Seigneur des Anneaux est un bon jeu, mais est quand même assez mal foutu. Parce que y a les vo on entend nos voix dans le jeu. Enfin, Will entendait ma voix aussi dans le jeu. Donc il m'avait en double. En double. Donc pour lui, pour le record, c'est vraiment pas top. Donc pour les deux ou trois derniers épisodes, c'est moi qui fais, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est juste que cette fois, vous avez le point de vue du nain. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, on va essayer de faire des let's play sur des jeux que on ne connaît pas. Ouais. Et dès qu'on lance le jeu, en gros, on record, comme ça on découvre en même temps et on se sentira moins saoulé, entre guillemets. C'est ça. Il y aura plus de blagues, sûrement. Ouais, sur le jeu, on sera un peu plus concentré dans le jeu. Vu qu'on ne connaît pas du tout, alors on a vu 2-3 vidéos et encore. On a 2-3 pistes, surtout une. Mais on va vous laisser au pire en mettre en commentaire si ça. Si vous Oui, si vous avez avez. des idées de let's play. Si vous avez des. En gros, quand on dit let's play, c'est. Un jeu avec toute l'aventure qu'on puisse faire Oui. en duo. Voilà. Une campagne C'est en ça. coop, Une campagne en entre coop, guillemets. tout simplement. Je vais enchaîner moi avec une nouvelle série Arc. Alors, pour vous expliquer, le Dova Park, il est fini depuis maintenant 1 ou 2 mois. Les constructions sont finies. Où il a été, je sais pas, il me semble qu'il est fini totalement. Il a été ouvert pendant un bon mois. On a eu des visites. Donc, comme la youtubeuse d'ITV, hop, vous pouvez voir ici, on va aller cliquer sur sa chaîne comme ça lui fera un petit instant promo. Voilà.
Donc elle fait un peu de tout. Donc elle a fait la visite du parc elle au complet en deux parties. Elle l'a vraiment bien mis en valeur. On est content nous de notre résultat du parc. Vous aurez bien sûr une vidéo complète sur le tour du parc avec notre point de vue, donc avec nos points de vue de modérateur quand on vole tout simplement, des points de vue différents que des points de vue de visiteurs. Donc les points de vue de visiteurs, Lee, elle a ce point de vue. Donc on vous laissera aller voir là-bas. Mais sur notre chaîne, vous aurez le point de vue des modos. Donc tout simplement des petits cadres bien sympas. Pour la nouvelle série Arc, du coup, on se tâte encore. On en a parlé en fait juste avant manger. Donc je ne sais pas si ça va vous switcher de page ou pas, mais dans le doute. C'est pas bien grave, de toute façon. Donc, il y a Extinction qu'on va peut-être se faire. Sûrement. Vraiment en survie, survie. À l'ancienne, Voilà, à l'ancienne. on va Parce dire. que pendant plus de 5-6 mois, on a fait le parc en créatif. On faisait spawn et on devait construire. Et là, on a envie de retourner un petit peu aux sources, comme dans Ark Survival Evolved Multi. Qu'on a fait sur les parties de lit. Donc on va peut-être rouvrir, enfin on va peut-être nous se faire un serveur pour ça, sur Aberration. Est-ce qu'il y aura des mods? On ne sait pas. Le serveur sera boosté, mais vraiment minime. Enfin, quand même un Ça va être petit. de la survie classique en gros. Il n'y C'est aura pas ça. de code, il n'y aura pas de XP du turfu. Et ça va être un let's play où voilà, on va tamer des créatures, on va faire les boss et pourquoi pas le boss final si jamais on y arrive. Ouais, vraiment revenir aux sources de Ark, parce que nous, ça nous manque un petit peu, je dirais, de se faire de la Exactement. vraie survie, plutôt que enfin, d'être en créa, etc. Même si sur le serveur Ali, c'était très bien, mais il y avait, enfin, c'était quand même pas mal boosté. Donc là, on va essayer de se faire un petit retour aux sources, ce sera en let's play, ce sera une petite... Petite série Arc, peut-être sur Extinction ou sur une autre map ou un autre DLC, ce sera une grande surprise. Nous, on sait pas tout à fait, mais vous verrez ça en vidéo. Voilà pour en gros pour parler de Arc, du Dova Park, etc. Ben, du coup, on va essayer de se tenir aussi à une vidéo tous les mercredis de Pala. Vidéo Pala d'un tous les mercredis si on a des gameplays intéressants. Alors, très clairement, on va pas non plus vous mettre que des victoires hein, ou des gros cartons qu'on met. Si jamais on trouve des games intéressants, serrés, même si elles sont perdues, on les mettra sur la chaîne, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas non plus passer pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des destructeurs de map, Ouais, entre guillemets, des fracasseurs d'équipe. c'est ça. Hein, on est des joueurs moyens. Ouais, Même si on a beaucoup d'heures sur le jeu, on est quand même moyen dans la on est majorité. moyen. On se débrouille bien, Donc, mais voilà. Enfin, faut pas déconner. j'estime que, enfin, moi personnellement, j'estime que des défaites, bon, bah, voilà. Parce que si on met des victoires, j'ai un peu peur que ça passe pour BGM qui éclate tout. Ouais, c'est ça. Qui fracasse tout le monde à chaque fois. Pour la suite, donc sur la chaîne, on a fait beaucoup de Ark, beaucoup de Pala et Oui. beaucoup de The Isle. On avait un peu délaissé The Isle, donc on va tenter de s'y remettre un petit peu. Faire, On enfin, promet rien. c'est ça. En fait, on veut Clairement. diversifier un petit peu les jeux sur la chaîne parce que on a une grosse période où on a fait que du The Isle, que du The Isle. Alors certes, c'est ça qui a, je dirais. Booster la chaîne du ZI, ça c'est quasiment les vidéos qui ont fait le plus de vues. Mais on veut pas se servir de ce mécanisme-là pour C'est ça. En fait, nous de base, on avait gagner entre arrêté de guillemets. jouer à ZI parce qu'on avait quand même fait pas mal le tour. Donc là, on aimerait se diversifier un peu dans les jeux. Donc on vous proposera donc du ZI, du Ark, comme on vous a dit, du Osu. Voilà, du Osu. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est tout simplement tu dois être en rythme de la musique, tu dois suivre des schémas Des de notes des notes, qui ouais. apparaissent sur l'écran, il faut taper au bon moment et tu suis le rythme de la musique. Voilà.
Et ça va de plus en plus rapide, de plus en plus difficile. C'est ça. Alors moi j'y ai joué une fois, c'était désastreux, mais je compte bien Oui. continuer à jouer pour m'améliorer. Oui, C'est Lily y joue normal. Et moi, depuis. actuellement, je ne suis qu'à 3 étoiles sur 10 en difficulté. Donc, voilà. Mais Voilà. si jamais je fais des maps intéressantes ou je fais des bons scores et je suis fier de moi et que j'ai record, je la posterai sur la chaîne. Alors bien sûr, faudra pas vous Ça attendre peut à des toujours. musiques connues, parce que les droits d'auteur, ça peut Oui. tout niquer. Alors Exactement. oui, nos vidéos ne sont pas monétisées, mais au pire, ça, on en reviendra tout à l'heure. Ce c'est un point que j'aimerais un peu mettre en valeur. On va pas y mettre tout de suite. On vous en parlera plus tard de ça. Du coup, pour les vidéos du style Zoho, où il était déjà? J'ai oublié le nom de la ville. À Saint-Martin-la-Plaine. Saint-Martin-la-Plaine. Alors oui, depuis une. Oui, on va essayer de refaire des vidéos extérieures comme ça. Il faut Ouais, juste qu'on voilà. trouve des beaux endroits où aller ou C'est ça. quelque Alors, chose comme ça, et on verra. ça aussi, c'est un point que j'aimerais un peu soulever. Donc, la nouvelle série qu'on s'est lancée, les Dova sont sortis. Faut pas vous attendre à y avoir régulièrement. Parce que. Oui, ça va pas être une vidéo toutes les 3 semaines ou C'est tous les ça. mois. Un zoo, ça a un coût, faut dire. Donc on peut pas tout le temps se permettre et on n'est pas tout le temps disponible. On n'est Moi il pas y très a, riche. c'est ça. Enfin, on a des moyens, mais voilà. Enfin, on a Ce d'autres trucs dans nos qu'il vies faut privées. comprendre, c'est que 16 balles en moins, ça nous fait mal au cul. C'est ça. Voilà. Après, faut vous dire que dans les Dova sont sortis, il n'y aura pas forcément que des zoos. Il y aura peut-être du kart. Il y aura peut-être Oui. d'autres trucs. Enfin, des trucs en Toutes les extérieur. activités, voilà, les activités extérieures C'est qu'on va ça. faire. C'est un tout nouveau contenu qu'on a décidé de vous faire du IRL. Il y aura d'autres formes de IRL dans les Dova sont sortis. Hein. Il y aura des balades dans des coins sympas, peut-être, on ne sait pas. Enfin, des trucs vraiment qui sortent un peu du gaming, tout simplement. Exactement. Pour vous apporter un peu autre chose. Ou alors on fera du gaming dans le jardin. Voilà. Les On mettra devins seront sortis, mais on fera dans le jardin. du pala dans le jardin. Tu parles dans le jardin. On Vous aurez un magnifique cadrage sur va se notre cosplayer. terrain. On va se cosplayer en paladin et en Victor pour ma part et en Drogos pour Benji. Et on fera un combat paladin dans le jardin. C'est ça. Avec Avec des des effets fusils spéciaux. airsoft. Oui, des effets spéciaux dignes. D'un mauvais film Arte. C'est ça. Ouais, Nous voilà pour les vidéos en extérieur. On va essayer de vous en faire. On ne sait pas quand on va pouvoir les faire, mais on aura. Ne vous inquiétez pas. pas quand on va pouvoir sortir, car nous sommes séquestrés par nos parents et Ou par on ne le sait pas Covid. quand est-ce qu'on pourra sortir. C'est ça. On va aussi essayer de faire un peu plus de vidéos commentaires parce que ça, vous nous le demandez quand même assez souvent. Faites C'est plus vrai. de commentaires. Alors, il y a deux points. Enfin, il y a plusieurs points à propos du commentaire. Plein de points. Sur Pala, à part entendre des insultes, c'est un peu. C'est complexe, quoi. Parce que on a Non, pas des comme. insultes, mais on va dire de l'incompréhension C'est ça, de auprès de certains l'incompréhension. joueurs. Parce qu'en fait, on part vite en vrille, on a son assez chaud. Quand il y a quelque chose Très qui nous clairement. saoule, on va le dire, mais très ouvertement. On est des grandes gueules. Exactement, on est très gentil mais grande gueule. Si vous nous faites chier, bah tant pis pour vous, hein. C'est à vos risques et périls. Eh ben, tant mieux pour vous. Après, bon, voilà, s'il y a d'autres séries qui arrivent, un futur let's play, du arc, bien sûr, ce sera en commentaire. Enfin, on va pas vous laisser tout temps avec que de la musique. Bien Oui, sûr, évidemment. ne vous inquiétez pas. On va essayer de parler un peu plus. En plus, maintenant, on a du nouveau matos avec des micros un Ouais. peu plus de meilleure qualité. Ça aussi, je sais Donc, pas si vous allez vous en rendre compte. Enfin, vous allez voir que les dernières vidéos du Seigneur des Anneaux n'ont rien à voir avec les anciennes, entre guillemets. entre Parce guillemets, les que. premières. Car les dernières, c'est Benji qui filme et il est de Cali, et que les premières, c'est moi et que Bah, c'est de la c'est pas merde. que c'est. Le Non, son. En fait, c'est juste le son en fait qui a changé parce mais qu'on a oui. tout simplement deux meilleurs Bien micros. sûr. On a un peu Bien investi. sûr. Déjà, pour nous, ça nous fait du bien. Oui, déjà, pour commencer. D'avoir une meilleure qualité déjà rien que pour se parler. Moi, mon ancien micro était vraiment pas assez fort. Il C'est plus était. agréable aussi. Le dernier point, donc la monétisation. J'ai Ah. eu une ou deux questions à propos de la monétisation. Tout simplement, on ne peut pas faire monétiser nos vidéos parce qu'on a moins de 1000 abonnés.
et moins de 1000 vues, il me semble, sur l'ensemble de la chaîne, ou plus. Donc regardez les vidéos et Et amenez abonnez-vous. des Voilà, copains. ça c'était juste Et amenez des copains. pour vous mettre un coup de pression. Faut qu'on atteigne les 1000, les gars, on veut de la thune. C'est ça, on veut de la thune. En fait, on va être tout à fait honnête. Oui, quand on aura atteint le seuil des 1000 abonnés et des vues à quatre, on mettra nos vidéos en monétisation parce que ça aidera au développement de la chaîne. Bien Ça, évidemment, c'est comme tout le sûr. monde. Tout ce qu'on Comme tout le monde. gagnera sur la chaîne, ce sera pour améliorer la qualité vidéo de nos setups, etc. Et notre qualité de vie, Et la car nous qualité de sommes vie, pauvres. c'est ça. Par exemple, voilà, pour les novations de Je... sortie, ça pourrait par exemple aider. Le petit récap, donc futur let's play d'un jeu, on ne sait pas encore lequel et vous verrez, ce sera surprise. Une nouvelle série Arc qui va arriver. Deux vidéos maintenant par semaine qui commenceront à partir du. On va quand même se laisser une petite semaine avant de vraiment commencer à partir du 13. Donc du dimanche 13, à partir de ce dimanche-là, il y aura une vidéo le mercredi et le dimanche. On va essayer de s'y tenir. On va essayer Oui. donc de diversifier les jeux sur la chaîne. Donc du ZI, du Arceus ou des vidéos en extérieur. Et plein d'autres jeux que je peux pas vous citer parce qu'on ne sait nous-mêmes pas quoi faire encore. Oui, si jamais on trouve des petits jeux annexes à faire pour faire une seule vidéo, C'est ça. évidemment. Donc un peu plus de vidéos commentaires. Donc voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous nous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Et nous, on attend vos réponses en com. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde. C'était Ledova et à bientôt. Allez, bye. Ciao!